En somme, mon travail, idéologiquement parlant, n'a pas changé. Mon travail idéologiquement, n'a pas changé. Je présente un travail qui a une préoccupation avec la société, avec les hommes, avec les indifférences, avec les différences. Avec cette persistance du pouvoir, du tout pouvoir, ou le tout puissant, parce que mon travail a je dirais pas par essence, oui, à dénigrer ou pas dénigrer, mais à montrer que le pouvoir, c'est quelque chose de très éphémère, que le pouvoir est en soi comment on appelle ça, le dérivé en fait d'une structuration pyramidale de la société de l'homme, que l'homme a fait parce qu'il faut le pouvoir. Quand on dit qu'il y a de riches, c'est parce qu'il y a des pauvres. Quand on dit qu'il y a des intelligents, bah, c'est parce qu'il y en a ceux qu'on considère qui sont des bêtes. Donc c'est comme ça qu'on distingue l'homme distingue dans la société. Mon travail a un côté très très politique. Quand on dit politique, ça finit par se retomber sur la société, parce que la politique, c'est le vecteur par lequel une société est guidée, une société est construite. Par la politique, une société est affinée. C'est la politique qui doit avoir la capacité de rendre riche intellectuellement une société, aussi le rendre riche financièrement, mais c'est assez rare. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours la politique qui finit par construire une société, polir une société, c'est lui qui doit l'organiser. Tout passe par là. Donc j'ai un regard très intéressé, disons, dans la politique. Donc d'où on le retrouve dans mon travail, il y a ce côté politique souvent qui apparaît sur mon écriture. Mais c'est une écriture qui est centrée sur la société. C'est une écriture qui est idéologique, qui est centrée sur la perception de l'homme à cette soi-disant supériorité. C'est ce qui m'intéresse énormément dans mon écriture. J'ai jamais bifurqué, j'ai jamais caché mon écriture. Elle a évolué. Je me suis comment dirais-je, intéressé à des difficultés d'autres contrées géographiques pour comprendre les sociétés, pour comprendre les hommes, pour comprendre comment l'homme fonctionne. Je suis arrivé à une conclusion que bah, les quatre coins du monde, c'est quand c'est pareil. La seule chose qui change, c'est la culture et la couleur. Le reste, il y a rien qui change. La mentalité de l'homme restera toujours la mentalité de l'homme. C'est ce qui mène souvent à parler de l'homme comme étant, parce que l'homme en soi se considère comme étant parfait, mais pas animal. Alors que c'est tout l'inverse des choses. C'est un imparfait, ce que j'ai produit dans cette exposition. Silhouette parfaite, c'est pour montrer en fait ce côté d'imperfection, tant dans le dessin comme dans les silhouettes qui sont présentées. Mais aussi, je disais au début de cette partie, c'est que mon travail a un pan politique et je me suis toujours intéressé à ça,
parce que je disais aussi que c'était le moteur qui servait à aiguiser la société. C'est ce qui m'intéresse. D'où l'idée d'aborder un fait politique sur le continent africain. C'est de là où est née, en fait, cette idée de l'État des Unis d'Afrique, qui est le drapeau qui est juste derrière moi, une des œuvres qui est présente dans cette exposition. Le sous-titre, ça s'appelle « Transmission », qui m'intéressait profondément parce que, encore une fois, ça finit par tomber dans ma préoccupation sur la société. Parce que toute société vit de transmission en transmission. Et j'ai estimé que nous, les artistes, moi en l'occurrence dans ce cas, c'est une espèce de passation aussi que moi je fais avec mon travail, que ce soit pictural, que ce soit par des travaux de workshop ou des conférences que je fais dans le monde, c'est de la transmission. C'est la transmission dans deux sens. Parce que quand on enseigne, on apprend aussi. Donc c'est comme ça que moi je le pense. Ce travail qui est là, et est un travail que j'ai commencé dans les années 2008-2009, et je continue à le produire sous le titre État des Unis d'Afrique, mais avec un sous-titre. Et ici, l'idée, en fait, c'était de proposer un autre regard sur le continent africain, parce que souvent le regard qui est porté sur le continent africain est très biaisé. Les gens ont toujours tendance à se déformer, de penser que sur le continent africain, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est simplement un continent où les gens s'entretuent, toutes les misères du monde, ils y sont. Alors que, bon, c'est un sujet très vaste, et je ne pense pas que ça vaut la peine de rentrer dedans, dans ce sujet, parce que c'est un sujet de l'histoire et qui est assez long. Mais, étant sujet de l'histoire, le résultat d'aujourd'hui, c'est en effet le résultat de son histoire, ce qui fait qu'on en est arrivé à là. Ce drapeau contient 54 étoiles. Les 54 étoiles correspondent aux 54 pays sur le continent africain. Tous les États y sont représentés par les couleurs noires, et moi j'utilise les couleurs que les drapeaux des États africains utilisent de plus, le rouge, le vert, le jaune, et puis la couleur noire pour les étoiles. Mais parlant de transmission, j'ai pensé aux molécules, parce que le molécule, c'est un vecteur de transmission où circulent les courants. C'est de ça, ou c'est pour ça qu'on voit toutes ces étoiles qui se touchent les unes après les autres, d'un bout à l'autre de cette œuvre, où quand on parle en fait de transmission, bah forcément on pense à l'écriture. Première des choses, on pense à l'écriture. On pense après aux autres traditions, la musique. On retrouve ici les flûtes traditionnelle africaine, on retrouve l'esthétisme par les peignes, on trouve aussi la cuillère en bois qui est la gastronomie. Tout ça, en fait, ce sont des passages, des points de transmission pour en arriver aujourd'hui là où nous sommes. Ça a été une succession de transmissions que l'homme a fait, jusque pour en arriver à là aujourd'hui, pour savoir que, ok, bon, il existe un plat qui existait déjà des siècles et des siècles, qui est inventé. Donc, tout ça, c'est des transmissions. Et je me suis rapproché encore un peu plus sur cette idée de transmission, non pas seulement aller chercher le passé pour rapporter aujourd'hui, mais prendre aussi d'aujourd'hui pour le montrer, parce que ce sont des nouvelles formes de communiquer, de nouvelles façons de transmettre le savoir. On nous trouve les plaques
le plat graphique qui sont là, c'est un symbole, c'est une façon aussi de rappeler le parti contemporain dans cette thématique de transmission. C'est comme ça que j'ai eu cette idée d'aborder cette œuvre en pensant à l'art plastique aussi, avec des pinceaux qui sont là, mes vieux pinceaux que j'ai à la maison. Alors, il y a un autre symbole sur la transmission. La transmission veut dire aussi solidarité. D'où chaque étoile ici possède 54 stylos ou crayons. Donc c'est 54 fois 54. Donc on en est à 2916 stylos et crayons. Mais je l'ai voulu dans une espèce de solidarité les unes avec les autres. 54 aide 54, 54 inverse aide chacun s'entraide à eux. C'est pour cette raison que je les ai pensés de cette façon et pour pouvoir montrer ce côté qu'est-ce qui se cache derrière une transmission. Qu'est-ce qui se cache derrière une transmission. Et on peut aller encore un peu plus loin là-dedans. Sur l'esthétisme, sur même l'écriture. Aujourd'hui, on évoque, disons par exemple la Sorbonne, comme étant des très anciennes universités. Mais sur le continent africain, oui, il a existé. Le Tombouctou a existé des siècles avant la Sorbonne, par exemple, puisqu'on est sur à Paris, en train de parler juste à côté de la Sorbonne d'ailleurs, le Tombouctou existait avant. Donc ça veut dire que l'écriture, le savoir, il y avait un mécanisme du savoir qui était déjà en place, il y avait déjà quelques connaissances qui existaient, donc c'était pas rien quand on parle de continent africain. On doit savoir que on parle quand même, malgré l'histoire, la suite de l'histoire, on parle quand même d'un continent berceau de l'humanité où les choses sont passées, mais qu'on a tendance à occulter, qu'on a tendance à mal expliquer, quand on veut pas. Donc forcément, on sait par quel chemin les gens passent quand ils veulent pas. Mais c'est tout ça que moi j'ai trouvé l'idée de rassembler dans une œuvre seulement pour parler de la transmission, cet héritage que nous devons tous défendre pour que nous puissions former aussi une société différente de celle qu'on a, en améliorant petit à petit. J'ai apporté des courriers, par exemple, dans cette œuvre, mais les courriers ne sont pas là juste pour un aspect décoratif. Non, il y a rien. Je ne cherche pas du décoratif dans mon travail. Mon travail a assez de lourdeur en termes de communications, d'images, de messages qu'il renvoie. J'ai pas le temps pour le déco, je sais pas le faire. Donc du coup, mais parce que il y a tout un symbolisme là-dessus, c'est que siècles derrière, des siècles et siècles derrière, ça servait de monnaie, les courriers, ça servait de monnaie. Donc sur le continent africain, c'était là-bas. Donc ça veut dire que il y avait quand même de savoir quelque part qui était mis, bon, aujourd'hui c'est mis un peu en berne, mais ça bouge, disons, ça bouge. Et je suis content de savoir que ça va continuer à bouger et que les gens prennent conscience de ça. Ça me fait encore plus plaisir de voir cet élan. Ça n'a jamais arrêté, mais que ça doit se continuer. Ouais. J'aimerais dédier ce temps aux jeunes artistes qui sont là, qui sont en train d'arriver sur la scène. Ne pas négliger les expériences des autres, qui doivent être beaucoup plus pertinentes, qui doivent rechercher, faire de recherches pour comprendre, parce que l'art, c'est pas un simple amusement. L'art, c'est un vecteur par lequel nous nous éduquons. L'art, c'est un vecteur par lequel
nous apprenons comment l'autre vive, comment on doit considérer l'autre. L'art est un vecteur où ça nous permet d'être avec des autres, même si nous ne sommes pas non semblables. L'art est un vecteur qui nous permet d'être nous, mais le meilleur de nous-mêmes. C'est ce conseil-là que j'aurais bien aimé laisser aux plus jeunes. Je ne suis pas vieux, hein. Je suis encore jeune. Dans l'art, on n'est jamais vieux. Mais pour ceux qui sont légèrement, qui ont soufflé moins de bougies que moi, qu'ils aient quand même cette niaque de la jeunesse, de continuer à percer le mur et à travailler. Il n'y a pas de chance sans travail, ça n'existe pas. Si vous ne travaillez pas, la chance ne viendra jamais. Donc je pense que c'est rien qu'avoir accepter ce rapport de force que le travail possède, je pense que c'est déjà grand chose et que il faut le considérer. En donnant mon exemple que j'ai de ma rencontre avec Nathalie Obadia il y a quelques minutes, si je n'avais rien fait, si je n'avais rien dessiné ou j'avais pas travaillé déjà à la galerie qui m'avait exposé, la galerie Guirandou, qui m'avait exposé, elle m'aura pas exposé pour montrer le mur vide. Donc voilà, c'est le travail qui mène à ça, c'est le travail qui répondra à qui vous êtes, c'est le travail qui vous représentera demain. Ne copie pas les autres, copiez d'ailleurs même si vous voulez, parce que on apprend toujours. Et moi, je suis quelqu'un qui est fasciné pour l'apprentissage et je continue à apprendre toujours. Je continue à apprendre toujours. Ça me sert toujours et c'est toujours important. Et voilà, ça, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Et sachez ce que vous voulez faire. Et quand je dis sachez ce que vous voulez faire, ne pas zigzaguer avec des idéologies pas claires dans son écriture. On se recherche. On se recherche toujours, mais on finit à un moment donné avec le temps pour s'asseoir avec une écriture bien claire, bien limpide, bien ficelée, bien pensée. Mais ça, c'est le temps qui le règle. Donc, le temps répondra toujours à ce qu'on veut, mais je pense que c'est à nous aussi de le forger en osant et faisant des choses.